Pour les compagnies locales, l'évocation de rayons frais fait ressurgir de bons souvenirs. Dans le jardin de la préfecture, où la demande était assez libre de la part de rayons frais, c'était vraiment d'occuper ce jardin. On avait pu en profiter pour essayer plein de choses. En fait, il y avait plein de petites formes de la compagnie du coin. Il y avait un solo de guitare, un ciné-concert qui était, dont les images venaient du jour même sur le lieu même. Il y avait une expérience sonore en multidiffusion. Moi, j'avais une tente et ça avait été pour moi assez marquant parce que c'était les premières fois que j'avais pu essayer des formes en solo. Et si le festival plaisait tant aux compagnies, c'est qu'il leur laissait une grande liberté. Rayon frais, c'est un terrain d'expérimentation effectivement assez bien monté puisque ça permettait à diverses disciplines d'être représentées dans l'espace public. Donc ce qui était intéressant, c'était le mélange, la pluridisciplinarité. C'était pour nous un moyen de rencontrer le public tourangeau parce qu'on n'a pas tant d'occasions à Tours d'avoir des programmations. Mais Rayon frais, c'est fini, du moins pour le moment et sous cette forme. Place à présent au label Rayon frais. Rayon frais ne disparaît pas. C'est plus peut-être dans sa manière d'exister. C'était sur une semaine, 10 jours. Là, ça sera tout le long de l'année. Les compagnies, en fait, déposeront des dossiers qui seront étudiés par une équipe. Donc il y a une ligne budgétaire qui est dédiée à ces labels. Les compagnies déplorent la suppression de ce temps fort, même si bien sûr, elles comprennent les contraintes budgétaires. Le budget culturel de la ville de Tours va baisser, il paraît, de 5%, mais je pense qu'il y a d'autres budgets qui vont baisser, et plus encore. Voilà, je ne vais pas faire du misérabilisme. Après, c'est sûr qu'en tant que spectateur, ça nous fait une offre culturelle en moins. Et puis après, effectivement, d'un point de vue commercial, effectivement, nous, ça nous fait un débouché en moins. Christine Beuzelin affirme que la porte n'est pas fermée et n'exclut pas que Rayon frais sous sa forme de festival revienne en 2017.